Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Combien de Ferrero Rocher et de Mon Chéri avons-nous vendu cet été? Zéro. Oui, chaque été, nous arrêtons de vendre nos produits pour éviter que la chaleur ne puisse altérer leur qualité. Nous le faisons parce que pour nous, la qualité est l'ingrédient le plus important. Salut. Alors, je ne sais pas s'ils ont retiré leur Ferrero Rocher des magasins. Toujours est-il que moi, j'en ai vu. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ne prendraient pas un peu pour des... Ils en vendent toute l'année. C'est la friandise préférée des Français. Pourquoi la retireraient-ils donc des magasins? Donc, ça veut dire que l'usine Ferrero Rocher ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas en été. Elle fonctionne qu'en hiver. Pas les autres Kinder. Les autres Kinder, on peut les manger toute l'année, même s'ils coulent et tout, c'est pas grave. Mais Ferrero Rocher, non, il faut pas. C'est que... Alors, j'ai encore de petites questions. Donc, ça veut dire que la chaîne de production de Ferrero Rocher s'arrête pendant 6 mois, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont pris le temps de vider tous les magasins des Ferrero Rocher qu'ils ne vendent pas pendant l'été? Parce que moi, personnellement, j'en ai vu en vente hein, cet été. Hein, et les gens, ils achetaient. Donc, il y a un truc là qui me dérange. Mais alors, quand est-ce qu'ils commencent la nouvelle production pour l'hiver? Ils ont prévu des stocks? Ça se passe comment? Où est-ce qu'ils vont nous vendre ce de l'année dernière? Je sais pas, faut voir, hein. Et puis, pour ma part, moi, je pense plutôt que c'est surtout une façon d'appeler la nouvelle clientèle pour Noël, je pense, hein, sérieusement. Pas toi? Moi, je pense que oui. Mais maintenant, Ferrero Rocher et Mon Chéri sont de retour, prêts à être dégustés. Ferrero, la qualité avant tout. Bon, bah, soyez contents, braves gens. Voici les Ferrero pour Noël. Ah, on va pouvoir se régaler. Et ouais, ils sont de retour. Oh là là, que du bon. Bon, j'espère que c'est pas les invendus de l'année dernière qui nous refilent quand même, hein, parce que là, là, ça serait pas top. Hein. J'espère qu'ils se sont pris à temps pour nous préparer les nouveaux, des tout frais, des tout bons, des délicieux, plein d'huile de palme, ouais, génial. Ça t'interpelle pas, toi? Hein? Ben ouais, moi aussi. Bon, donc, ben, en attendant, hein. Déguste bien tes Ferrero, hein, bon appétit, profites-en bien, fais plein de cadeaux avec tes Ferrero, tout le monde sera content avec les Ferrero, parce qu'ils sont tout frais, tout bons, et regarde-toi.